vous demandez peut-être ce qui est arrivé à ce dispositif et comment cela a affecté le véhicule. Restez avec nous pour découvrir la réponse dans cette vidéo fascinante sur les transpondeurs de clés et leur fonctionnement dans les véhicules modernes. Un transpondeur de clés est un dispositif électronique utilisé dans les véhicules modernes pour empêcher le vol de voitures. Le transpondeur est programmé pour communiquer avec le système de sécurité du véhicule et il contient un code unique qui doit être reconnu par le système avant que le véhicule ne puisse être démarré. Le transpondeur de clés est un composant essentiel de la sécurité des véhicules modernes. Fonctionnement. Le transpondeur de clés fonctionne en utilisant une technologie de communication par radiofréquence. Lorsque vous insérez la clé dans le contacteur d'allumage de votre véhicule, le transpondeur de clés envoie un signal radiofréquence au système de sécurité de la voiture. Le système de sécurité répond ensuite en envoyant un signal de demande de code qui est capté par le transpondeur de clés. Le transpondeur de clés répond alors en envoyant le code unique stocké dans sa mémoire au système de sécurité. Si le code envoyé par le transpondeur de clés correspond exactement au code stocké dans le système de sécurité de la voiture, le système de sécurité autorise le démarrage du moteur. Sinon, le système de sécurité empêche le démarrage et peut même déclencher une alarme pour prévenir contre le vol du véhicule. Programmation. Le transpondeur de clés doit être programmé avec le code unique qui sera reconnu par le système de sécurité du véhicule. La programmation du transpondeur peut être réalisée en utilisant un équipement spécialisé tel qu'un programmeur de clés ou une interface de diagnostic. Cet équipement permet de communiquer avec le système de sécurité de la voiture et de programmer le code unique dans le transpondeur de clés. Le processus de programmation varie selon les modèles de véhicules et le transpondeur de clés. Certains modèles de véhicules nécessitent une procédure de programmation spécifique, telle que l'utilisation d'un certain nombre de clés maîtresses pour programmer les transpondeurs de clés. D'autres modèles de véhicules peuvent nécessiter l'intervention d'un professionnel pour la programmation des transpondeurs de clés. Spécification. Les spécifications du transpondeur de clés peuvent varier selon le modèle de voiture et le système de sécurité utilisé. Les spécifications peuvent inclure des informations telles que la fréquence de transmission, le format du signal, le type de cryptage et d'autres caractéristiques qui doivent correspondre aux spécifiques requises par le système de sécurité de la voiture. Il est important de s'assurer que le transpondeur de clés utilisé pour votre voiture a des spécifications appropriées et est compatible avec le système de sécurité de la voiture. Si le transpondeur de clés n'a pas les spécifications appropriées, alors le système de sécurité ne pourra pas reconnaître le code de la voiture. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.